Vous avez une procuration, ce que je vois représentant. Monsieur, vous voulez parler dans quelle langue? Demandez-lui s'il a un document lui permettant de représenter M. Abdourahman, s'il vous plaît. Donc, je dis que Abdourahman, je n'ai pas eu l'un tiré de oui. On vous attend, maître. C'est Rouhamid Doubari. Oui. Asseyez-vous. Le représentant Abdourahman Bari. Vous n'avez pas? Mettez Abdourahman Bari. Oui, moi j'ai dit 944. Hein. C'est Maître Diakité qui parle de 946. Moi je vous ai dit 944. Vous avez retrouvé maintenant? Quel est votre nom, monsieur? Mon nom est Indemunde. Cher nom ami du Paris. Vous avez quel âge? 50 ans. Où vous êtes domicilié? Dans Odionto. Alors, actuellement, vous êtes là. Vous représentez M. Abdourahman Bari. Dites-nous ce qui lui est arrivé. Mon nom est Abdourahman Bari. Bon, Abdourahman Bari. Et toi, n'es-tu ton conseil? Abdourahman Bari. Parlez dans le micro qui est en face de vous. Abdourahman Bari. Abdourahman Bari. Bemakoko Amadou Bari était. Son père, c'est Amadou Bari. Kotoa. C'est mon frère, c'est mon grand frère. Agoui, bonjour. Voilà, c'est bon. Ok. Ari Kondjoulajo. Il était commerçant. Il était marié à deux femmes. Cinq enfants. Bon, 28 septembre, il est sorti de la maison. Le 28 septembre, il est sorti de la maison. Avec son jeune frère Elajnou Bari. Et le fils à son grand frère Ibrahim Bari. Ils ont été ensemble au stade. Quand ils sont arrivés là-bas, quand ils ont commencé à tirer, donc chacun s'est cherché. Donc ils ont fallu jusqu'au niveau en chemin. Ils ne sont pas sortis, ils ont tiré sur lui, sur le pied. Il est tombé là-bas. Et là, son jeune frère est parti l'aider pour savoir s'ils peuvent se lever et qu'ils prennent la fuite ensemble. Bon, selon Karadjinoui, on va aller tout de même. Sorry, on arrive à taper
Donc, Allah nous, selon sa déclaration, il n'a pas vu les yeux, les ministères sont venus, on l'a donné un coup de crosse ici, on l'a donné un coup de crosse à la bouche aussi, il y a deux dents qui sont extraites. Bon. Depuis ça, on ne l'a pas vu, on n'a pas vu son corps, on n'a pas ses nouvelles. C'est ça. On ne savait pas là où il est. On n'a pas où il est. Non, du tout. On parle de Monsieur Abdourahman. Quoi, Abdourahman, hein? Oui. Vous ne savez pas où il est. On n'a pas où. Abdourahman, là, de France. Abdourahman, lui, il est en France. Ministère public, question. Monsieur Malik Bari. Monsieur Abdourahman Kéronamidou Bari. Oui. Je voudrais avoir une précision. C'est Abdourahman qui a reçu la balle au pied. Abdourahman Fellaka Kwenga. Abdourahman Kobemako. C'est son père. Amadou Ribari. Amadou Ribari. Amadou Ribari. Oui. Alors. Et qui d'entre les des deux dont le corps n'a pas été retrouvé jusqu'à maintenant? Amadou Ribari. Amadou Ribari. Amadou Ribari. Oui. Vous vous consultez, participez, vous représentez Abdourahman Bari ou les deux? Abdourahman Bari l'ontinda do kakoya. Abdourahman Bari milontini parce que quand on alado oya mai me yali fure on oya mi oya alado. C'est Abdourahman, lui n'est pas là. L'autre est décédé, on n'a pas vu le corps. C'est votre frère aussi, celui qui est décédé. Oui, oui, même nerf. Vous avez fait des recherches? On a dit, mon. Le 28 septembre, le jour suivant. En fonction de notre possibilité, mais on n'en a pas eu de nouvelles. Jusque maintenant, vous n'avez pas. Juste là où je suis maintenant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voulais savoir, qu'est-ce qui est arrivé à Abdourahman que vous représentez à la barre de ce tribunal? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui n'est pas été au stade. La procuration indique que vous représentez à cette part M. Abdourahman Bari, je m'excuse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quel est le message que vous devriez porter au tribunal? Le message qu'Abdourahman aurait dû réellement porter devant la juridiction de jugement? Donc, celui qui a formulé la plainte, il m'a dit de dire ce que je lui ai dit ici-là. Nous, Bari était qui pour Abdourahman? Nous, Bari, son oncle. Celui que, dont vous n'avez pas retrouvé le corps, c'est ça? Amadou Ribari, oui. Oui. Merci, Monsieur le Président. Distingués associés.